Nous avons des gens qui ont été très bien. Des gens qui ont été très bien. Nous avons des gens qui Nous avons fait des choses. Si nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Waye dañu sey ci fi bo sey sey fi ci dekk bi bu séré dafa am ñaar muy men ak gëñu bo sey sey ñi nekk sa men ñi ngay fekk fofu dinañ la jox deg ngay bay muy gëñu ñan nekk sa gëñu dinañ la jox ngay bay di ci ciosano sa doom bu juddo diko bay be nga gañu ben yagana kën dootu ko jël ci tiranga bobu lañuy dox ci tiranga bobu lañuy fekk kon nak buñ ñu ko bëggé xañ ah dañuy ñëk fex rek way duñu neex li mo ñu indi li nga xamné moy suñu yaakar ëlëk atté muy li ñuy bëy gis ngeen gancax ni mu tollu ngay xamné ay yaax suñu biir yi ko ay jambar ko bëy ñu yaakar ko say suñu doom yaakar ko suñu set yaakar ndax té suñu maam yi ñoko doon bëy bi bayyi ko suñu yaay yi diko bëy ñu kon nak ñu toobé bi tay ñu di ci dégg ay xul xaan waxti ko yalla di leen jaax ñi ñi ñaan la wol am di mbal jaral na ñu nak lu ne ndax té li lañu am ba do le la bay kat lañu suuf ci lañu yaak mom nañu ko ñu yalla bayyi ñu di ci liggéey di ci terang kon nak dañ ñu koy bayyi ñu di ci liggéey di terang ma bugalé na ñaan nak kep fu way def fu way tollu nam ñu dimbalé té ñu bayyi ñok ci ni suuf lool rek la ci bëggu wala donc ma ngi tuddu Issa Fay dekk fi Fadial don porte-parole collectif ar suñu valé liñ fi taxa dajé tay ci gattal dañu am suñu valé depuis des siècles ñu fi bay ciép avec nos maigres moyens ñu ci sante yalla itam parce que malgré insuffisance moyens yi ñongi gorgolu di ci bay di dundu ñu tok be nguur ñew ne def ñu bëgga jappalé pour que liñuy am ci valé bi mu gëna yokku be dootu ñu yem ci bay dundu kessé waye ñu mëna bay jaay biñ ñëwé itam population bi yépp en général contente ci ndax malgré tout amna fi ay jafé jafé yo xamné nguur rek moko mëna safara muy walu xorom bi nga xamné day joggé ci geej gi di dugg ci vallée bi donc lolu donon na mebet bo xamné à chaque fois dañ ko don solliciter ci wétu nguur biñ donc ci appel bobu ñu tok bi ay partenaires ñew né paré nañu pour accompagner ñu ci jafé jafé yoyu biñu soumettre projet bi population yépp dañ ko rafetlu contant ci wayé benn mo dor rek lañu mësona yëkëti moy duñu soobu ci projet bi tank document administratif bi nga xamné mo tank projet bi ñun population bi jotuñu ko be mëna chambar lan mo né ci biir ak lan mo né ci biti ñom ñi nga xamné ñoy partenaire d'alors lolu depuis 2020 la muy wa PDCVR nga xamne ñoo ngank walu mbeyu ciep
bañ leen ko waxé itam ñom ñep dañu nangul lolu né ñu ñun day dañuy ñew pour défaral leen buñu défaré bé nopi dañ leen di délo sen souf ñu nangul lolu applaudir leen ci lolu wayé bo gisé tay population bu fadial ak ñi nga xamné ñom mom valé bi tay sen xel ñaaw dañu dem bé ci processus bi ki nga xamné moy le sous-préfet bu arrondissement bu CSN nga xamné fadial ci tutelle am la nek ñew jël fi ben décret samp fi ben commission commission bobu lan motax mu jog moy buñu aménager deg yi be paré commission bobu moy def distribution deg yi nga xamné mom lañ fi wara dag lolu population bi paré wul pour accepter lolu parce que bañuy nangu ñu aménager ñu dañ leen néwon bo leen paré del lolu suñu yef ñun d'accord nañ ci mais ba sous-préfet andé décret bobu la gëna yéme nak moy ñun wa fadial ñu mom souf ci ben nopi ñu sampal ñu commission bo xamné juroom ñent membre ya ca né ben représentant la ci fadial am muy le chef de village lolu ba mu amé la population bi sen xel ñaaw parce que ku né aménagement paré né demay def découpage bo né découpage ya ngi lotissé té bo lotissé def nga bornage lolu buñ ko xassé def fi amul ben garantie bo xamné bour jox nañu ko né buñ mu aménager li tek ko ci anam yoyu wa fadial dinañ jota sen bot ñun dañuy japp né kon ñi dañu bëgg nax nangul liñu mom té duñ ko nangul comme nima la ko waxé ñun ñu sommes des personnes vaccinées ño xamné ay ñu am xel lañu ñu xam règlement baye fi amé bétay dañu alerter wo toutes les autorités compétentes commencé ko ci sous-préfet bi nga xamné mo ñëk andi jaxaso gi dem nañ ci mom lamu ñu tontu moy soufu maam amul lolu bu ko amé na japp né ñun wa fadial fi lañuy dé mu doga aménager ben ñaarel bi il y a un comité qui a été installé par le village malheureusement démarche yi mo bokul ñu dem be population bi gis né ñom dañuy yox yox yi motax population bi jogal sen bop mais comité bobu adressé na ay lettres bi mu yonné ko ministère de l'agriculture bi mu yonné ko ministère de l'intérieur bi ministère des forces armées man mi di wax ak yeen je suis chargé de mission au ministère des forces armées kérok ba lettre bi yeggé man mi lañu jëkawo né ma qu'est-ce qui se passe à fadial mané li xaw fadial moy wa fadial dañu am sen souf ñu bëgg ko exploiter té dara léru lañ ci té ñu am ci droit nak xam lan mo nekk ci biir lolu liñuy xam li tax ñu wo presse yépp tay moy def nañu liñu yoon sante adressé nañu ay lettres administratives aux autorités compétentes wayé bu ëllëgé itam mën nañu né fo leen ko waxon mo tax ñu saisir presse tay pour que aduna yépp mënu ñu dégg xamné wa fadial alerté won nañu état du Sénégal té que bu dé ci démarche bi la nara démé ci aménagement bu vallée de fadial nañu ñëw jéxal ñun en jeune yi d'abord parce que moné ñun jeune yi ak jigen yi motax muy aménager bu vallée bu fadial kon liñuy gis muy daw ni moy dañu bëgga dag suñu vallée bi jox ko ñeneen ño xamne ñoñu upp doole te ñun ay ba doole lañu gor gi wax nako sank suuf si rek la fadial de ce tay yaakar ko pour suqali mbeyam li dal la bëggona wax au nom du collectif du balu ak la de fadial géographe de formation nous avons assisté à plusieurs rencontres soi-disant d'un projet pour l'aménagement de la vallée de Fadial. La population de Fadial depuis plusieurs décennies est en train d'exploiter cette vallée qui est en train de donner des retombées exceptionnelles. Parce que dans le village de Fadial, il y a plusieurs concessions maintenant qui n'achètent plus du riz dans les boutiques. Nous connaissons vraiment l'avantage de cette vallée-là. Où vraiment on récolte des centaines et des centaines de tonnes de riz malgré que cette activité n'est pas encore soutenue par l'État. Nous demandons à l'État de venir nous soutenir pour que la production devienne plus abondante, mais pas nous ne voulons pas un aménagement qui ne respecte pas ses règles. Nous maîtrisons bien ce qui est l'aménagement, mais ce dont on est en train de parler là, ce n'est pas un aménagement. Parce que dans le projet, nous avons au départ entendu 150 hectares.
À la longue, on est arrivé à 450 hectares. Nous, en tant que géographes, nous disons que ce projet n'est pas fiable. Et comme ce projet n'est pas fiable, la population de Fadial qui compte sur cette vallée, qui est vraiment un héritage venant de nos ancêtres, s'oppose catégoriquement à cet aménagement, et la population de Fadial dans toute sa dimension est prête à s'opposer et à donner et à mourir pour que vraiment cet patrimoine légué par nos ancêtres nous revienne de droit. Au Sénégal, en 1964, Léopold Sédar Senghor avait fait reconnaître le régime coutumier. Si le sous-préfet de CSN dit que le régime coutumier du Sénégal n'est pas applicable, je dis qu'il se trompe. Parce que là où il habite, il se trompe lourdement, et là où il habite, il a hérité les terres de ses ancêtres. Ici à Fadial, nous allons hériter les terres de nos ancêtres, à savoir cette vallée de Fadial. Nous appelons l'État du Sénégal, nous appelons toutes les institutions du Sénégal, nous appelons tous les services qui travaillent dans l'agriculture pour que cette vallée de Fadial soit laissée à la population de Fadial. Non à l'aménagement, vous voyez, il y a toutes les maisons qui sont représentées ici. C'est des dizaines et des dizaines de familles qui sont venues. Donc ce n'est pas une chose facile. Et que la population de Fadial s'opposera catégoriquement à ce soi-disant projet qui n'est que vraiment du dilatoire, qui n'est que vraiment le fait de vouloir venir dans la brousse et prendre nos terres, nous n'allons pas l'accepter. La population de Fadial s'érigera en bouclier, que nous viendrons ici, passer la nuit ici, ou bien les machines qui viendront passeront sur nos corps pour pouvoir aménager ça. Le Sénégal a d'énormes difficultés pour se nourrir. La vallée de Fadial pour nourrir le département de Mbour. L'État du Sénégal n'a qu'à venir soutenir nous, agriculteurs, nous, riziculteurs, pour qu'on puisse exploiter des centaines, voire des millions de tonnes de riz ici. Mais vouloir venir et prendre nos terres, c'est vraiment créer des tombes ici. Ça ne passera pas. Et que nous appelons les autorités compétentes, les autorités supérieures, même nous appelons le président de la République pour qu'il mette fin à ce soi-disant projet. La population de Fadial, dans toute sa dimension, ne va pas l'accepter. On ne l'acceptera jamais et on se demandera à fond. Nous appelons ces soi-disant gens qui sont venus pour nous tromper. Nous, fils du village, nous sommes vaccinés, nous sommes des intellectuels, nous connaissons bien le régime foncier du Sénégal. On a eu à participer à des aménagements à l'intérieur du Sénégal, dans la région de Rosbecho, où vraiment, si on parle de riz au Sénégal, c'est dans le Wallo. On maîtrise tout ce qui se passe là-bas pour enfin terminer. Ne jouons pas. Cette terre appartient à nos ancêtres. Nous les avons héritées et on donnera nos âmes. On donnera notre vie à ça. La population de Fadial est prête à donner sa vie. Si ce soit déjà un projet, continue. Nous appelons au président de la République, au premier ministre, à tous le gouvernement du Sénégal de mettre fin à ça. La population ne veut pas. Les terres sont aux Fadialois. Les terres nous appartiennent. Qu'ils laissent ces terres à nous. On continuera dans la solidarité, nous continuons dans la solidarité à bien exploiter tes terres, et que vraiment, au Sénégal, nous voulons la paix. La paix à Fadial, c'est le fait de laisser ces terres. Nous allons continuer. Merci.